Quand on fait la fête, on mange des frites. Quand on a une nouvelle copine, on va manger des frites. Et puis quand on n'a plus la copine, on va quand même manger des frites. Ça, c'est un lieu... Moi, je répondrais par l'inverse. Si elles étaient françaises, il y aurait le musée de la frite à Paris, où il se trouve à Bruxelles, où il se trouve à Bruges. Si c'était français, il y aurait des frites côte partout. En France, il n'y en a pas. Si c'était français, les Français n'en feraient pas tellement de blagues, ne se moqueraient pas des Belges. Alors, qui a inventé les frites? On ne sait pas, mais ceux qui en ont fait un art, ce sont les Belges. Par exemple, vous voyez, quand ils sont en train de cuire les frites, il y a un chant là, vous voyez, il fait un petit bruit là. Ça, c'est la chanson. Ils disent souvent dans les friteries que nos frites ils chantent. C'est pas facile, très difficile. Tous les jours la même chose, et enfermé dans une cabane. De temps en temps, 10 heures, 12 heures. Et voilà, c'est la secret, c'est ça. C'est la métier aussi.